Mantille, chapelet et noir rigoureux. Charlène de Monaco et son époux, Albert II, se sont rendus au Vatican, mercredi 20 juillet, où ils ont été reçus en audience privée par le pape François. Pour cet acte, l'ancienne nageuse a renoncé au soi-disant privilège blanc ou privilège blanc, un protocole du Vatican qui lui permet de porter cette couleur lumineuse. Donia Laetitia a aussi ce privilège. Le prince Albert et Charlène ont visité la cité du Vatican, où ils ont eu une rencontre avec le Saint-Père. Pour cette audience, la princesse a choisi une robe noire ajustée, avec un col bateau et a porté un chapelet en guise de collier. L'ancienne nageuse a associé sa robe à une mantille en dentelle, également noire, dont elle s'est recouvert la tête. Charlène a renoncé à son privilège blanc, qui permet aux reines catholiques professantes de porter cette teinte lors d'une audience avec le pape. La préfecture de la Maison pontificale, institution de la Curie romaine, est chargée d'informer sur l'utilisation de ce permis ou de la vignette qui est exigée. En plus de Charlène, Donia Laetitia, Donia Sofia, Paola et Mathilde de Belgique peuvent porter du blanc au Vatican, et la grande-duchesse Marie-Thérèse de Luxembourg. Sur la photo du bas, Felipe VI et Laetitia, en blanc, avec le pontife, en juin 2014.